Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Erzouli Freda. Non, mais j'ai pas de bijoux, j'adore les bijoux, mais j'en ai pas. Je ne suis pas Erzouli Freda. Non, je ne suis pas Erzouli Freda, je suis Lucie. Bon, c'est vrai que des fois, dans ma vie, des fois, j'en ai eu un petit peu marre d'être prise pour une sulfureuse aux mille aventures que je ne suis pas et que je n'ai pas, mais enfin bon, personnellement, moi ça me dérange pas. Donc, oui, c'est vrai que la sulfureuse Lucie aux mille aventures, le fameux mythe de la sulfureuse, hein. Alors, c'est parti. Et oui, Erzouli Freda. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour à mes abonnés. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous souhaite aussi la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité. Nous allons parler de spiritualité et nous allons parler de ces sulfureuses divinités. De ces sulfureuses divinités qu'on fait tant peur à l'église pendant des siècles et qui pourtant ne sont pas si dangereuses qu'on raconte. Voilà, ces sulfureuses divinités aux mille aventures du genre Erzouli Freda, Erzouli Dantor, Erzouli Mapiang. Donc toutes ces divinités-là qui font tant peur et qui pourtant ne sont pas méchantes et ne sont pas des mauvais esprits, ne sont pas des mauvaises choses, et sont tout simplement des entités spirituelles du royaume de Dieu qui appartenaient aux ancêtres, à nos ancêtres, un peu partout en Afrique, dans les Caraïbes, dans toutes les îles, en Amérique et même en Europe. Ce genre de divinité reliée au royaume de Dieu existait, peut-être pas les mêmes, mais par exemple si vous prenez des pays comme l'Irlande, l'Irlande c'est un pays où il y a beaucoup de divinités qui sont des entités spirituelles, qui ne sont pas des divinités principales, mais qui sont des divinités un petit peu comme des anges, c'est un peu comme l'équivalent des anges, et ce sont des divinités qui font partie du royaume de Dieu. Et donc, pour s'adresser à Dieu, les personnes de la spiritualité, qui étaient dans la spiritualité, devaient s'adresser d'abord à ces divinités spirituelles et à la nature, avant de s'adresser à Dieu, et donc, de s'adresser à Dieu, de faire leurs demandes, de se confier à Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on offrait souvent des offrandes à ces divinités. On leur offrait des offrandes, ça pouvait être des parfums, des bijoux, des mouchoirs avec de l'eau de Cologne, plein de choses. Ça pouvait même être de la nourriture ou des présents qu'on mettait dans des paniers comme ça. Et donc ces divinités-là étaient célébrées à des dates bien précises.
Et aussi dans la culture grecque, par exemple, dans la culture grecque, vous avez des entités spirituelles qui sont représentées comme des dieux, qui sont des divinités également, qui font partie du royaume du dieu principal, qui sont des entités spirituelles. Vous avez par exemple, je ne sais pas si je me rappelle mes lectures en littérature, vous avez par exemple Poséidon. On va vous dire que c'est le dieu de la mer, je crois, Poséidon. On va vous parler de Zeus, on va vous parler d'Athéna. On va vous parler d'Aphrodite, Aphrodite, qui dit Aphrodite, donc dit divinité spirituelle de l'amour, voilà. Et toutes ces divinités, aujourd'hui, ces divinités qui ont été combattues à l'époque par la religion, sont également célébrées, même en Grèce encore aujourd'hui, parce que ce sont tout simplement des, voilà, des divinités qui font partie de la culture et qui n'ont rien de diabolique, qui n'ont rien de démoniaque et qui n'ont rien à voir avec tous ces démons, tous ces diables qu'on raconte. Après, je dis pas qu'il y a des diables, bien sûr que les diables existent, bien sûr que les démons existent, mais il y a des divinités de la culture, des divinités qui sont des divinités protectrices, qui ne sont pas des divinités qui vont vous tuer, qui ne sont pas des divinités qui vont venir vous rendre malade et qui ont été pendant des siècles diabolisées, comparées à des démons, à des diables. Si bien au fait que ben, les gens spirituellement étaient un peu perdus et des fois avaient peur de rendre hommage à certaines divinités parce qu'ils savaient pas, ils arrivaient plus à savoir quelles étaient les mauvaises divinités et quelles étaient les bonnes divinités. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait des fêtes, à chaque fois qu'on devait vénérer une divinité qui n'était pas reconnue par l'Église, qui n'était pas connue par la religion, ben, les gens étaient un petit peu sceptiques. Parce que les gens se disaient, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais tomber malade? Si je fais une offrande à cette divinité, est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un diable? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Pourquoi les gens la vénèrent? Est-ce que c'est quelque chose qui va me porter malheur? Est-ce que je vais mourir? Je vais mourir en offrant, je sais pas, du parfum à Aphrodite? Je sais pas. Voilà, donc c'est des questions qu'on pouvait, que les religieux pouvaient se poser à l'époque. Donc en même temps, je vous rassure que si vous offrez du parfum à Erzuli Freda, parce que Erzuli Freda c'est une divinité spirituelle qui est beaucoup priée dans les îles, en Afrique, aux Caraïbes, en Amérique, et même en Europe, il y a des Européens qui s'adressent à Erzuli Freda également et qui lui rendent hommage. Donc je vous rassure, excusez-moi, mais je vous rassure que si un jour vous mourrez, si un jour vous tombez malade et que vous mourrez, après avoir offert un parfum à Erzuli Freda, ben faudra chercher ailleurs parce que je suis désolée, mais ce n'est pas Erzuli Freda qui vous aura tué et qui aura mis fin à vos jours. Il y a aussi une autre divinité. Alors cette fois-ci, c'est un homme, ce n'est pas une femme, c'est un esprit. Alors les esprits sont dits, en général on disait que les esprits n'avaient pas de sexe. Voilà, que les esprits n'avaient pas de sexe, qu'ils étaient, je crois, hermaphrodites. Bon, ça c'est la bon, certains religieux qui le disaient, mais ben, c'est vrai qu'une fois, une fois qu'on meurt, une fois qu'on meurt, si vraiment on se transforme, qu'on devient un ange ou qu'on est au service peut-être de certaines entités spirituelles pour protéger des humains sur la terre, hein, qu'on dit genre Joséphine ange gardien, non mais je veux dire du genre voilà style ange gardien, et ben bon c'est vrai qu'une fois qu'on meurt on n'a pas de sexe au fait, parce que c'est vrai quand on meurt c'est l'esprit, on n'est pas vraiment un homme et on n'est pas vraiment une femme. On est seulement homme sur la terre parce que, bien sûr, on est déterminé par son sexe, par ses caractères, voilà, et on est femme également sur la terre parce qu'on a un sexe de femme. Alors je vais vous parler de Papa Leba. Papa Leba, c'est une entité spirituelle qui fait partie du royaume de Dieu également, qui est très vénérée en Afrique, en Amérique encore, aux Caraïbes et même en Europe. Il y a des Européens qui prient Papa Leba, je le sais, il y a des Blancs, des Européens qui connaissent Papa Leba. Alors c'est peut-être des Européens qui ont vécu en Afrique ou dans les îles, je ne sais pas. Mais il y a des Européens qui connaissent Papa Leba et j'étais juste surprise parce qu'une fois, j'ai vu une vidéo et il y avait un Blanc, un Européen qui faisait une sacrée cérémonie au nom de Papa Leba mais qui avait l'air vraiment... Enfin, je veux dire, vraiment comme s'il s'adressait à son père. Et du coup, j'ai eu un choc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et au fait, ça me faisait bizarre parce que le fait de voir un Blanc qui vénère Papa Leba, parce que Papa Leba, pour moi, c'était plus une entité spirituelle qui était vraiment priée par des Africains. Et du coup, je vois un Blanc qui prie Papa Leba. Après, je me dis, bon, puisqu'il y a des... qui prient des anges gardiens qui ne sont même pas de leur culture, pourquoi pas, hein,
Pourquoi un Européen ne pourrait pas prier Papa Léba? Donc, une fois, je suis tombée sur une vidéo et sur la vidéo, je vois un blanc qui se met à prier Papa Léba, mais un blanc qui faisait une sacrée cérémonie avec des offrandes, des bananes, je sais pas, du riz. Il avait offert plein de trucs à Papa Léba, de l'eau de colonne, des encens. Je dis, mais il était vraiment à fond le gars. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon en fait, de voir un blanc qui vénère Papa Léba. Alors après, c'est vrai que je me suis dit, mais après tout, les Africains vénèrent des entités spirituelles qui ne sont pas de leur culture. Par exemple, les anges gardiens, saints machins, tout ça. Alors je me dis, mais pourquoi un blanc pourrait pas s'adresser à Papa Léba? Donc voilà. Je vous rassure que Papa Léba également a été, pendant longtemps, il a été traité comme un démon, comme un diable. Et au fait, Papa Léba n'est pas un démon, Papa Léba n'est pas un diable, c'est une divinité protectrice. C'est une divinité protectrice à laquelle vous pouvez même rendre hommage, je sais pas, lui offrir des présents, du riz, de la nourriture. Et pourquoi pas vous adresser à lui, le prier, Papa Léba ne viendra jamais vous tuer, hein, il va pas vous rendre malade, vous inquiétez pas. Si vous priez Papa Léba, vous n'allez pas mourir, hein, vous n'allez pas mourir. Et de toute façon, si vous mourrez, c'est pas Papa Léba. Faudra chercher ailleurs, mais c'est pas Papa Léba qui vous aura tué, ça c'est clair. Donc, non mais je rassure, parce que des fois il y a des gens, oh mon Dieu, mais c'est Papa Léba, oh mon Dieu, c'est Erzuli Freda, oh mon Dieu, la démone. Au fait, tout ça c'est un reste, c'est vraiment un reste de l'Église, c'est un reste de la religion. Vous savez que pendant longtemps, les divinités, les entités spirituelles ont été diabolisées par la religion. Et donc du coup, je vous dis que les gens n'osaient même pas, il y a des Africains qui n'osaient même pas vénérer leur divinité, qui n'osaient même pas vénérer, je veux dire, leur entité spirituelle, tellement on leur a raconté que c'était des démons, c'était des choses qui allaient les tuer, les massacrer. Et ça, c'était une façon, pendant la colonisation et avant la colonisation, c'était une façon de couper les gens de leurs ancêtres, de dénaturer les gens, d'enlever leur culture, au fait. Parce qu'au fait, la religion, la spiritualité, c'est l'identité. C'est l'identité d'une personne. Donc déjà, quand tu enlèves la spiritualité de quelqu'un, quand tu enlèves les divinités d'une personne, de sa culture, tu la détruis complètement parce que la spiritualité, oui, ça fait partie de la culture. Donc c'est vrai que quand tu enlèves la culture spirituelle, la vraie culture spirituelle d'une personne, tu es sûr que cette personne est fragilisée et que tu as complètement dénaturé cette personne et qu'elle n'aura pas son identité spirituelle. Et ça, c'était une façon un petit peu de dominer, de prendre l'identité spirituelle, de détruire un peu l'identité spirituelle des gens. Dieu merci quand même qu'aujourd'hui, il y a des personnes courageuses, des personnes spirituelles courageuses qui font même des vidéos sur YouTube et qui se sont réappropriées, parce que je vois pas mal d'émissions, des personnes qui se sont réappropriées leur culture, qui se sont réappropriées leurs entités spirituelles, et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, c'est une belle démarche, et ce sont des personnes qui sont courageuses, parce que des fois, qui peuvent être exposées à des mauvais jugements, qui peuvent se faire mal voir, au fait, mais qui sont tout simplement respectueuses de leurs ancêtres, respectueuses de leur culture, et respectueuses de leur entité spirituelle.